dans une vision relativement intelligente, capable de tout faire, un petit peu comme les avions aujourd'hui qui font à la fois de la technique au sol et à la fois du combat aérien. Alors à côté du FCM qui fait 12 tonnes, lui il en fait 31 tonnes et demi. Son moteur est un 6 cylindres Renault de 307 chevaux. Et il va, comme tous les blindés français, relativement lentement à 30 km/h. Son autonomie était elle aussi un déficit. Elle était de 150 km. Je rappelle le Panzer 2. Il pouvait avoir un aide-canonnier dans le châssis.